...... Bonjour, donc, euh, oui, je m'appelle Georges Manière, euh, donc je, je, travaille sur, euh, bon, je suis payé par la fondation PHP euh, pour travailler sur le cœur de, P... ben, de PHP, faire de la maintenance et faire du code review. Euh, donc si jamais vous voulez que vous ou votre entreprise veut financer euh, PHP, ben vous pouvez aller sur open Collective euh, et euh, de faire un don à la fondation, euh, parce que ça serait peut-être bien, <laughs> vu que je pense que c'est un peu l'outil que vous utilisez euh, un peu tous les jours et qui... Euh, ben, paye vos repas. donc euh, Et quand on en a pas eu pendant longtemps et que je vois que c'est important, de, surtout que depuis que j'en ai à la fondation, il y a plus de contributeurs qui, qui s'y mettent en place, parce que maintenant on sait que ben, ça peut être une option, une option de carrière, qu'il y, qu y a de l'argent derrière, que si je m'investis, euh, ben, je peux être payé pour. Alors qu'avant c'était que à la base du volontariat ou euh, si l'entreprise. Euh, d'un contributeur bah, était d'accord pour leur laisser travailler dessus, euh, donc voilà. Et donc euh, je remercie si vous contribuez déjà ou que vous sponsorisez ou que vous donnez de l'argent de payer mon salaire. Donc euh, merci. <laughs> euh, mais sinon, euh, je vais vous fais un petit tour de d'outils qu'on peut utiliser. Alors évidemment, euh, j'ai déjà tout le repo euh, cloné et compilé parce que ça peut prendre un peu de temps. Mais euh, donc sur, sur mon blog. J'ai un peu un article qui est un peu fourre-tout où je mets un peu plein de trucs euh, qui m'arrivent, que j'ai besoin ou, ou d'étapes et tout ça. Euh, Donc, j'ai compilé PHP euh, avec cette configuration-là, qui grosso modo est une configuration minimale euh, de PHP euh, du build, euh, qui prend pas trop de temps à compiler et qui permet d'aller dans le vif du sujet avec euh, quelques flags euh, assez activés qui permettent de, de choper des erreurs en amont et surtout qu'on a des tests. L'un des sites euh, qui est le plus pratique euh, s'appelle hip.space, euh, dans le sens que ça vous permet d'avoir une vue totale du code de PHP et de faire de la recherche. Parce que le code source de PHP n'est pas très bien organisé. On va dire qu'une un code, code base qui a genre 28 ans, euh, qui a été fait un peu le projet perso de Rasmus, euh, ouais, on ne va pas dire que ça a été la meilleure orga. Donc, euh, il y a plein de trucs que je m'en sers euh, avec des regex. J'oublie souvent genre comment est définie une, une classe en PHP. Donc euh, par exemple, je suis genre une classe Entry. Genre pour la définition, ça me okay, ça me donne l'endroit où c'est défini. Évidemment, c'est un type def. Euh, je peux je peux cliquer ici et euh, ça, ça me renvoie sur une autre page de recherche où je peux voir euh, le truc de base. Et là, je vois la vraie définition de la structure euh, du code C en, euh, dans le code C. Euh, un, autre des, un autre truc pratique, ça aussi ces liens ils sont euh, dans le blog post, c'est un tutoriel euh, qui a été écrit par euh, Dimitri Stogov, qui est l'un des contributeurs principaux de PHP, euh, c'est lui qui à la base euh, qui a créé Hopcache, c'est lui qui est derrière euh, le, le Git Engine en PHP et qui est euh, je crois euh, contributeur de PHP depuis 2003, alors bon euh, donc vous avez un peu l'expert euh, qui, qui écrit, bon après il est russe donc des fois l'anglais un poil approximatif, mais c'est l'une des grosses sources de connaissances qui peut être très utile. Et l'autre site web qu'on s'en sert un peu tout le temps, c'est un peu PHP Internals Books, euh, qui décrit euh, le fonctionnement de PHP, les extensions et d'autres choses en général de comment s'en servir. Et après, le, le, le pro-hack, le trip, c'est où est-ce qu'on trouve des corps devs et qu'on pose des questions. Euh, alors sur Stack Overflow, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un chat et il y a des rooms et chaque room en fait c'est pour un langage et euh, quasiment tous les core devs que je connais, on est sur Room 11 qui est la room PHP. Euh, donc euh, c'est la meilleure façon d'avoir des questions. Euh, genre, vous voyez vite fait, il y a Levi Morrison, euh, vous voyez peut-être il y a Derrick. Donc oui, si jamais vous avez des questions sur le core de PHP, c'est là, c'est le meilleur moyen d'y aller. Bon, il faut, 25, euh, faut 20 ou 25 réputations sur Stack Overflow pour y contribuer. Si vous n'en avez pas, on peut peut-être s'arranger. Voilà, je, je dis juste ça. Euh... Donc, en fait, ce que je vous... Alors, au début, je voulais faire une autre fonction, mais il y a deux, trois semaines euh, sur Mastodon, euh, il y a quelqu'un qui avait posé la question, C'est mais euh, il n'y a pas une fonction en PHP pour, euh, pour faire un search, pour avoir le premier élément d'une clé. Euh, mais euh, avec une fonction utilisateur. Par exemple, au lieu que ça soit juste true ou false, je peux passer une fonction utilisateur qui me fait la comparaison. Parce que maintenant, c'est soit il faut que j'utilise array_filter ou array_walk ou d'autres trucs, mais ça traverse tout le tableau et ça s'arrête pas au premier élément voulu. Donc, euh, je me dis, bah, pourquoi on n'implémente pas ça euh, Donc, euh, juste pour vous montrer que j'ai compilé PHP récemment, euh, c'est peut-être un peu bas. On voit que j'ai marqué PHP 8.4.0-dev, euh, que j'ai compilé ça. Bah, hier soir, ou non ce matin, à 12h du mat. On voit, on voit que je n'ai pas réussi à dormir. Hein. <laughs> Mais, euh, donc la première chose à faire, c'est, on va voir un peu la structure. Euh, Dites-moi si vous ne si vous voyez pas, hein, gueulez. Hein. Mais euh, à gauche, j'ai mes dossiers. Et il euh, y a quatre dossiers principaux, grosso modo à savoir. C'est genre Ext, où il y a toutes les extensions. Il euh, y a Zend, qui est le moteur propre à parler, où vous allez devoir fouiller dedans pour trouver les API euh, et, et qu'est-ce que pour, vos, pour les structures et tout ça. Euh, test qui est euh, un truc, euh, je sais pas pourquoi il y a des tests qui sont là, mais euh, je crois que c'était plutôt des tests de spec, mais la spec de PHP n'existe plus trop. Euh, et le dossier SAPI qui a, enfin les SAPI c'est les serveurs API genre CLI, FPM, Apache, tout ça, ça se retrouve ici. Donc euh, dans le dossier EXT, Bon, bah, les fonctions euh, standard hein, et les fonctions de tableau sont dans l'extension dans standard. Euh, et il y a beaucoup de fichiers. Voilà. Mais l'un des premiers fichiers qui est intéressant, c'est le fichier arrêt.c, euh, que j'ai déjà ouvert ici. Déjà, euh, voilà, faire fonction array search parce que vu qu'on va s'inspirer de array search. Mais on définit les fonctions dans, dans un fichier .stub. Donc pour standard, il s'appelle basicfunctions.stub.php. Euh, la plupart des autres extensions, c'est juste euh, par exemple pour xms et xml.stub.php, donc c'est plus simple à trouver. Mais euh, voilà, donc la première chose à faire, c'est je sais plus où est un research, c'est bien, ah, bah, juste ici. Donc en fait, c'est euh, une définition standard de PHP euh, qui, en fait, qu'on va écrire, donc euh, fonction, si j'arrive à écrire, c'est bien. C'est la première fois que je fais une session de live coding aussi, hein, donc euh, si jamais euh, ça ne fonctionne pas, euh, vous saurez pourquoi. Hein. Euh, même si a priori, comment on écrit search Search. Voilà. Euh, Com type. Donc qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut que ça soit la signature sans Needle. Euh, on prend un tableau à chercher. Euh, et on prend un callable qui est notre callback. Call et, et le type de retour qu'on va faire, c'est on va faire, on va faire bah, ou c'est un entier si la clé c'est un entier, soit une string si la clé bah c'est une string, logique, euh, soit nul si il euh, n'y a pas d'entrée. Voilà. Euh, je sais que ce n'est pas tout à fait la même chose que array search qui retourne false. Je trouve ça débile. Voilà, je, je dis ça. Euh, et on va pas faire les mêmes erreurs. Euh, voilà. Euh, je suis aussi un gros adepte du copier-coller, euh, que vous allez savoir. Parce que, bon, la première fois quand j'ai préparé le talk, je me suis dit Oh non, mais c'est bien, je vais, vais copier-coller ARRE Search, et ça sera tranquille. Alors, Research, Search, j'ai appris euh, en regardant, que partage la même implémentation que euh, InArray, qui est un peu définie ici, et évidemment qui est un peu longue. Mais ça, on n'en a pas besoin. Donc, euh, le premier truc qu'on fait, c'est juste, on va définir une nouvelle fonction via la macro php function. Voilà. Et on met le nom de la fonction qui est, on a décidé qu'on prêt à aller user search. Voilà, non, ça ne bien rien si j'écris. Cool. Voilà. Bon, comme j'ai dit, je suis adepte du copier-coller. Donc le premier truc que je vais copier-coller, c'est le truc un peu intéressant de la fonction. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors en C, il faut déclarer tous les types euh, des variables. Donc, voilà. Euh, le premier truc, c'est l'un des trucs que vous allez tout le temps vous servir, c'est les evals. Zeval, ça veut dire zend value. En fait, c'est euh, comment le moteur représente une valeur en PHP. Donc quasiment tout euh, que vous allez, vous allez vous en servir en permanence. Et en fait, ça peut être de n'importe quel type. Euh, je vais changer vite fait le tableau, pour que ça ne soit pas une, une zéval, mais je vais prendre une hash table. Parce que la HTB c'est un peu la représentation interne de tous les tableaux en PHP, et, et c'est utilisé un peu partout pour représenter plein de choses, que ce soit des fois pour, les, pour la liste d'arguments, euh, certains trucs dans les propriétés. La HTML, c'est un peu un composant fondamental dans, dans le moteur, euh, et c'est un peu utile de s'en servir et de savoir à quoi ça correspond. Euh, et le troisième truc qu'on veut, c'est bah l'entrée en question, donc on va mettre... Zéval euh, encore. Voilà. J'ai pas besoin des boules. OK. Alors là, j'ai la macro, genre ZenParseParameter, En fait, ça s'occupe de parse, bah, les, les arguments que vous passez à la fonction, et ça s'occupe à, à lancer des type errors si euh, un utilisateur passe une mauvaise fonction. Donc zeval, c'est en gros c'est mixte. C'est euh, passez-moi une zval, euh, je prends n'importe quoi. Euh, arrêt, c'est donne-moi un tableau, mais retourne-moi en tant que zeval. Mais nous, ce que j'ai changé, je veux une htable, Donc je vais rajouter ht en majuscule. Euh, et après, bon, bon j'ai copié-collé, donc je vais vous expliquer. Mais si vous ajoutez des paramètres optionnels, vous rajoutez un C param optionnel avec les trucs qui sont les autres paramètres derrière. Et on a des types pour tout. Donc on a bool, int, enfin long, parce qu'en C, on appelle des entiers des longs. Compliqué. Euh, les flows, je crois que c'est des doubles. Euh, mais aussi, on peut prendre des objets avec des classes et on a aussi des types, certains types d'unions qui sont implémentés de base. Les types d'union qui arrivent souvent, genre arrêt ou string ou int ou string euh, ou ce genre de choses. Euh, les deux ch nombres qui sont euh, au début, genre de zen parse par euh, paramètre start, le premier nombre, c'est le nombre d'arguments minimal qui sont obligatoires. Et le deuxième nombre, c'est le nombre d'arguments maximal. Bon, nous, pour nous, on va en avoir trois de chaque. Donc je change trois ici. On n'a pas d'optionnel et aussi on n'a pas de truc strict. Enfin, on n'a pas de, de boolean. Mais on veut une fonction. Donc on a un truc ZPP qui s'appelle ZParamFunction, qui prend euh, deux arguments, que nous on appelle commandement une FCI et une FCC, que je vais ajouter plus haut, qui grosso modo représente, je ne sais pas si le nom du type va peut-être vous aider, qui est genre... ZendFCallInfo, donc ZendFunctionCallInfo, qui est. Euh... En fait, la nomenclature est un peu bizarre parce que le, le, le FCC s'appelle ZendFCallInfoCache, mais ce n'est pas vraiment un cache, dans le sens que c'est la vraie fonction, mais c'est un cache parce que dans certaines situations, ce n'est pas, pas initialisé. Mais euh, voilà, c'est un peu la joie de, de PHP et d'optimisation en C. Mais ça c'est, donc là, grosso modo, euh, je, par exemple, là je pars la fonction, et euh, j'ai tous, tous mes éléments dans mes structs, donc dans mon FCI, dans mon FCC, euh, dans mon tableau et tout ça. Euh, bon, à search, ce qu'on veut faire, c'est, ok, on veut chercher dans, le dans la liste, appeler le callable, avec euh, la valeur qu'on cherche et l'entrée dans le tableau, si la, si la closure nous retourne true bah, cool, on retourne l'index. Sinon, bon, on passe à l'entrée à enfin, suivante dans le tableau. Euh, et pour faire ça, on va juste faire un Zend for each. Euh, C'est laquelle que je cherche Zend for each value Yes. Qui prend. Et on peut regarder. Et pour ça, il y, en a, il y a plein de variantes différents. Et comme j'ai dit, euh, moi, j'utilise un peu tout le temps genre space parce que euh, j'ai une mémoire de poisson rouge. Euh, L'avantage, c'est un, c'est vous pouvez regarder euh, plein d'autres cas d'utilisation, donc plein d'autres extensions dans le code en vous disant, c'est, ah bah, comment ils font ben, C'est comme ça. Euh, ah non, c'est pas ça que je <laughs> veux. Comment ils font Comme j'ai dit, adepte du copier-coller. Ah oui, ils font qu'ils valent. Bon, ouais, qu -ce qu on qu'est-ce qu'on va faire On va recopier-coller le code. C'est euh, vraiment... Euh je suis un très bon développeur. Euh, alors ici, euh, comme j'ai dit, copier-coller. Des fois, il faut activer des trucs. À la base, ça prend, un ça prend, un... ça prend une zéval. Et euh, tous le truc, les trucs, plein de macros qui commencent par z underscore. Ça veut dire c'est ok. Passe-moi une zéval. Je fais quelque chose avec ou je te donne l'élément en question. Et underscore p à la fin, ça veut dire c'est si j'ai un pointeur. Ouais, les pointeurs, on sait, c'est toujours un joint. Mais euh... Pour le moment, on va pas trop s'en occuper parce que j'ai essayé de faire ça au plus simple. Donc, on fait notre boucle ici. Et alors same for faut un send for all. nice, je vais aller tout en bas. For each end. Voilà. Et là, en fait, là, dans ce bloc de code à l'intérieur de, de notre for each, bah, ça fait comme un for each en PHP. Ça va juste loop à travers le for each. Donc, toutes les entrées où j'aurais euh, bah, je passe mon, mon tableau en entrée. Si j'ai une chaîne euh, numérique, bah, j'ai le, le nombre en tant que chaîne, enfin en tant que, euh, en tant que clé. Soit j'ai la clé en tant que string. Et au final, j'ai une entrée. Euh, et ce que l'on veut faire dans ce truc, c'est juste, bah, comme j'ai dit, on appelle la fonction en question et on retourne et on voit le, la valeur de retour du callable. Bon, alors là, dans le moteur. Ce qu'on utilise pour appeler une fonction utilisateur dans une extension, c'est call function, qui prend en argument juste la FCI et la FCC. Cool. Euh, comment je passe mes paramètres à la fonction et la valeur de retour et tout ça ben, C'est une bonne question. Alors, donc on va regarder genre dans table of contents. On va voir où est-ce que c'est. Les callables sont décrits. Voilà. Euh, et qui fait une explication globale de la structure. Mais nous, ce qui nous intéresse, là, c'est ZendFCallInfo, euh, Zen qui est vraiment l'appel. Ça veut dire les arguments, euh, le nombre d'arguments, et aussi la valeur de retour. Et on peut voir que euh, c'est ce qui... peut-être un peu petit le navigateur, mais grosso modo, il y a trois champs qui nous intéressent. Il y a le champ RedVal, qui, où on va voir la valeur de retour de la fonction. Euh, le champ param count qui dit combien d'arguments on passe à la fonction et euh, le champ params qui est un, pointeur de, fin, qui est un tableau de, de zéval qu'on passe à la fonction. Euh, donc, bien. Pour ça, ce que je vais faire, c'est je vais définir mes, mes valeurs que j'ai besoin. Donc, z-val, et je vais faire zval params. Et un tableau de deux entrées euh, voilà et je vais maintenant la, la définir dans la set dans la fci donc count est-ce que c'est params avec un s ou sans s sans s bien param count égale 2 euh, fci Point params, point params qui est égal à la variable params ici euh, fc qui est un pointeur euh, de notre valeur de retour alors les pointeurs en C c'est un peu toujours le, la galère comme j'ai dit mais la raison là le, le ou l'esperluette c'est l'esperluette en français <laughs> euh, Grosso modo, en train de dire, donne-moi l'adresse de mémoire de la variable, parce qu'en gros, je veux stocker les résultats de la fonction dans la variable retval que j'ai ici. Donc, je lui passe l'adresse. En mode, c'est un peu comme une référence en PHP. C'est tiens, j'ai cette variable qui est stockée à autre part. Passe-moi ça et modifie-la à l'intérieur de la fonction. Ça fait, c'est à peu près similaire. Mais voilà. Et bon, les je vais définir quand même mes paramètres, ça serait bien. Mais j'ai en params, le premier élément de 0, c'est la valeur qu'on a passée en entrée au début, donc c'est value. Mais value, c'est un pointeur d'une zval, donc il faut que je le déréférence. Donc il faut que je rajoute un, un étoile, une étoile, un astérix devant. Et mon deuxième paramètre qui est euh, l'entrée, params 1, qui est égal à entry. Voilà. Euh, ça, c'est comment on fait l'appel de la fonction. Maintenant, euh, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la valeur de retour. Qu'est-ce qu est, qu est qui est retourné par la fonction euh, Et pour cela, on va vérifier le type de la variable de retour. On va faire if z type de redval est égal à is true. Ben alors, j'ai ce que je veux. Sinon, bah, j'ai autre chose et je passe à la suite. Euh, aussi, il faut savoir que par, pH, par défaut, en PHP, euh, toutes les fonctions retournent nul. Donc en fait, ici, il y, y a un return nul implicite que vous n'êtes pas obligé de mettre, ou que vous pouvez mettre, à vous de voir. Euh, donc ici, de nouveau, comme j'ai dit, adepte du copier-coller qui est si, une, si, donc, si euh, la valeur de retour qu'on a du callable c'est true et que bah, je veux retourner euh, la chaîne de enfin, la clé, c'est si on a une enfin une euh, si on a une string en tant que clé, je veux qu'on retourne bah, une copie de la, de la chaîne de caractère. Sinon je retourne le nombre en question. Voilà. Ce pas si compliqué que ça. Donc la fonction. Euh, je vais vérifier que tout va bien, hein. donc euh, pour ça c'est make-j 8 j c'est juste pour dire d'utiliser tous les... Ah. <laughs> ok c'est bien, première erreur de compilation, j'ai oublié de, oui, c'est pas, on veut passer les, les pointeurs donc euh... des, fois, des fois le compilateur il est utile, il vous dit ce que vous avez fait mal des, des fois non, mais des fois il est utile euh, yep. Mais on va voir, ça regarde... Ah, nice, génial, ça compile. Ok. Je, je, vous ai, je vous ai fait cette fonction et tout ça, mais euh, ça serait bien de la tester, non, quand même Donc, les tests, on les a aussi. Euh, et on, en fait, euh, dans, PHP, dans PHP Core, on, on utilise un format qui s'appelle PHP T, qui veut juste dire euh, test euh, PHP. Je vais mettre dans un dossier, on va appeler ça genre Array User Search ce sera plus simple pour nous retrouver comme j'ai dit, adepte du copier-coller, on va copier un test précédent et on le met dedans. Euh, oui, bon, est-ce que j'ai envie d'ajouter ça à Git Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, je vous montre la structure d'un test PHP qui ne va pas être le nôtre, mais ça commence par une section test qui dit le nom du test. Bon, bah pour nous, ça sera euh, test-arrêt-user-search. Euh, voilà. Euh, ini, c'est une section qui permet de définir un paramètre ini. Ah, zoomer. Ok. C'est ça, pas changé. Ok. Euh, ini, c'est une section qui permet de définir des paramètres ini pour ce test spécifiquement. Précision 14, c'est j'imagine pour les floats, mais nous, pour le, pour le coup, on ne va pas en avoir besoin. Euh, l'une autre, des autres trucs que vous allez peut-être voir, c'est que souvent, surtout si vous êtes dans les extensions, c'est juste euh, extensions. Ah, PHP Storm a cette tendance bizarre de vouloir remettre des, des trucs débiles. bon Pour nous, ça serait juste standard. Et bon Vu que standard est toujours compilé, il euh, n'y a pas besoin de spécifier. Mais par exemple, si vous, avez besoin, si vous dépendez de, de XML ou de Simple XML, bah, vous pouvez mettre toutes les extensions là. Et si l'extension n'est pas load, ça va skip automatiquement votre test. Euh, voilà. File, bah, c'est le fichier en question de notre test. Qu'on va supprimer. Euh, et expect. C'est la sortie attendue du test, qui peut être un peu de tout et n'importe quoi. Il euh, y a aussi la section expect F, qui est comme SprintF, où on peut passer des paramètres genre. En oh, comment ça s'appelle le signe pourcentage. pourcentage S, pourcentage I, ou pourcentage euh, n'importe quoi, euh, comme dans SprintF, qui permet de remplacer des chaînes de caractères qu'on on, s'en fout un peu de la sortie. Donc voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour tester notre fonction Array User Search okay, ben, il, nous faut, euh, ben, il nous faut de la data. Alors, on va prendre un tableau. Tableau. Je ne sais pas, on va faire 10, 42, euh, mais genre AFUP, comme clé, c'est cool. Je Peut-être pas les mêmes trucs. Bon, voilà. Le français approximatif. Euh, <laughs> on va mettre peut-être une autre clé 52 égale euh, 1 je sais pas euh, 36.8 et pourquoi pas on va rajouter un new euh, je sais pas est-ce qu'on on rajoute un autre tableau en tant que truc qui en va fait 1 2 3 1. voilà euh, écrivons la fonction de comparaison donc fonction compare qui prend une entrée euh, une value, une entry, et qui retourne bool. Je ne pas de type de retour, ça me simplifiera la vie plus tard. Et ce que je vais juste faire, juste pour, euh, pour la simplicité, c'est savoir tourner tout si, euh, le debug, si le type est identique euh, entre l'entrée et euh, la data. Donc euh, get debug type euh, value, est égal à get type euh, à entry. Voilà. Et euh, maintenant, il suffit juste d'appeler la fonction genre arrêt user search. Euh, alors, la data, qu'est-ce qu'on veut mettre comme variable oh, Je sais pas, euh, pourquoi pas euh, 12.5. on 12 s'inscrit bien. Euh, alors, data et collaborable cmp. Uh, nope mettre op comme output parce que je suis très créatif et on va avoir dump la variable o voilà euh, ok bon comment je lance les tests euh, pour ça on a la commande qui s'appelle make test Hein, qui limite, ça le dit, c'est Don't forget to run make test. Ils sont sympas. Euh, si vous faites make test tout seul, euh, vous en avez pour un moment parce que ça va lancer tous les tests euh, en single thread. Voilà, euh, c'est pas très, très utile. Euh, donc pour ça, il euh, y a la variable d'argument euh, test PHP. Y a beaucoup de choses, vous n'en avez pas besoin. Euh, c'est juste des trucs que j'utilise pour debug. ZenUserLock1, c'est des trucs de, de debug et tout ça pour la mémoire. Mais ce qui est important, après vous pouvez définir genre des paramètres init et tout ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'environnement enfin, à la fin que vous voyez, qui est genre test et qui donne un, on peut mettre un chemin. Donc Là je mets le chemin pour les tests de Harry User Search. Si j'entre je entrée, voilà. J'ai un gros fail. Ça J'ai dit que je ne voulais pas d'output, mais ben, j'ai un output. Euh, et quand un test fail, on a euh, quelques fichiers qui se créent. On a un diff, entre ce qui est attendu et ce qu'on a, euh, l'expectation, euh, le log de tout l'appel, le truc qui nous intéresse ici, out. Qu'est-ce que j'ai fait Peut-être fait une erreur là, ça commence bien. Euh, L'output, euh, on a le fichier PHP au final qui est vraiment exécuté, mais aussi on a, on a un fichier .sh qui permet de relancer le test spécifiquement. Le fichier .sh il est vachement pratique dans le sens que euh, si vous avez gdb vous pouvez mettre le test avec le .sh, et à la fin faire genre juste gdb et ça vous lance une instance de gdb qui, qui fait tourner ce test dans lequel vous pouvez mettre des breakpoints ou juste voir le debug donc euh, ça c'est le truc le plus intéressant maintenant vous allez voir que apparemment moi je m'attendais pas à avoir zéro mot c'est bien ah oui ah oui <laughs> c'est bien c'est bien, il manque un return. Voilà. On fait, euh, on fait des trucs un peu bêtes, des fois. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on quand on est en on on stage, on perd genre 100 points de QI. Voilà. Je... Je ça, surtout qu'on voit que la moyenne des gens, apparemment, c'est 115 QI. Pas, pas très haut, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a Ah bah entier, 52 Cool Génial Donc 52, ça nous dit, c'est en mode... <laughs> Ok, c'est bien donc on a s'attendre. Bon, donc ça c'est dans tout ce qui va bien dans, la, dans le meilleur des mondes. Euh, et ça, c'est, je pars du principe que bah ok, j'ai une fonction utilisateur qui fait ce que je lui demande. Bon, qu'est-ce qui se passe si ma fonction utilisateur est, ne fait pas ce que je veux, ou ce que je m'attends? Par exemple, genre elle retourne un entier, genre YOLO. Et ouais, que je relance le test. Bon, évidemment ça fail. Regardons l'output. C'est bien parce que j'avais une punchline là, parce que je m'attendais à ce que ça fasse autre chose. Et ça le fait pas. C'est bien. Je, bah, je m'attendais pas à un segfault, non, je m'attendais à, une... à une fuite de mémoire. Euh... Pourquoi ça le fait pas C'est cool. C'est bien, j'ai practice le talk trois fois et je ne savais pas ce que ça. Pourquoi ça ne pas ce que je m'attends Bon, génial. Je pas Value, entry, params, redval. C'est bien, vous me voyez voir débugger en live, hein. c'est cool. <laughs> je vais euh, go sur Room, room 11, ça va Yo, vous pouvez m'aider là Pourquoi, Pourquoi je n'ai pas une fuite de mémoire là euh... Ouais, euh, apparemment oui. Euh, alors, pourquoi il y aurait une fuite C'est une très bonne question. Alors, pourquoi il y aurait une fuite C'est que les chaînes de caractères, normalement, ou même si j'envoie... Euh, je vais peut-être essayer avec un tableau, ça sera peut-être plus intéressant. Ou genre, euh, return new std. Vraiment, si je fais une nouvelle des classes. J'espère, hein, au pire... Hein. Ah Nice, c'est bien. J'ai ce que je veux. Ok, cool, il a fallu improviser. Mais euh, l'intérêt aussi de l'une des options de compilation qui est, qui est de compiler avec Asan, qui est genre Address Sanitizer, euh, ça permet d'avoir de, euh, de flag les fuites de mémoire. La raison pourquoi il y a une fuite de mémoire, c'est qu'il y a certaines valeurs qui sont stockées euh, dans toutes les valeurs que, qui vont, peuvent être garbage collectées, genre par exemple les chaînes de caractères, les tableaux euh, ou les objets. Euh, ici en fait, genre RedVal, ben, la valeur est allouée sur RedVal et genre, il y a une valeur qui est allouée dans la mémoire. Mais à aucun moment je ne détruis cette valeur. Euh, donc en fait ce qu'il faut faire c'est à la fin ici, genre après mon appel, zval euh, pointer destroy du pointeur, je ne trouve plus le caractère en question, de redval, non de redval, truc, je relance ma compilation et mes tests. Donc en fait c'est un peu comme si vous disiez set euh, la variable. Et là, a priori, c'est juste censé être nul. Oui. <laughs> voilà. Euh... voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, euh... dans le sens que, en soi, euh, c'est pas, c'est pas très long. En soi, la fonction là, que je viens décrire, c'est. Euh... C'est pas, euh, c'est ok, c'est il y a beaucoup il y a beaucoup de, de trucs à déclarer. Enfin, genre, je passe les paramètres et je fais une for each. Bon après il y a toujours les trucs de fuite de mémoire et tout ça, à fun et tout ça, et, et écrire des test cases. Mais voilà, j'ai ajouté array user search euh, dans PHP en 30-35 minutes. Voilà. Euh... J'ai envie de dire, est est-ce que vous avez des questions maintenant. Hein, <laughs> Ah, la punchline, de quoi Ah non, c'est juste il y a une fuite de mémoire. C'est juste ça, la punchline. Mais. Euh... Ben. Je suis, je suis toujours intrigué du pourquoi, du comment, il n'y avait pas de, de fuite. Ah non, ok, maintenant je sais pourquoi. C'est bien. Mais euh, ouais, voilà. Si jamais il y a des questions, voilà, lancez-vous. Euh... Ah, ok, cool, ici. Bonjour. Euh, c'est très profond comme, euh, <laughs> comme présentation. C'est vrai qu'on ne se plonge pas souvent dans le, dans le corps. Euh, du coup, si ça met euh, une demi-heure pour ajouter une fonction, des fonctions, on n'en rajoute euh, pas beaucoup dans le corps. Je sais que tu fais de la revue, tout ça. Il bon, y, y a beaucoup de choses à côté de ça. En fait, j'ai deux questions. La première, euh, finalement, c'est quoi être développeur euh, dans la PHP Foundation euh, concrètement Et euh, ma deuxième question, c'est. Pourquoi on irait rajouter une fonction Pourquoi, finalement, euh, c'est quand même plus simple de la faire en PHP, ce que tu viens d'implémenter Alors, je, je, je vais commencer par la deuxième question. Alors, oui, c'est aussi l'une des raisons de pourquoi on n'accepte pas vraiment d'ajouter des nouvelles fonctions dans le corps de PHP. Dans le sens que il euh, y a beaucoup de choses, c'est beaucoup plus simple si c'est maintenu en userland. Tu n'as pas besoin de, de maintenir du C tu n'as pas besoin de te casser la tête avec des fuites de mémoire. Euh, c'est beaucoup plus simple. Mais. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire en 30 minutes. <laughs> donc ajouter une fonction comme ça, c'est un peu l'intérêt. La raison de pourquoi il y a pas mal d'extensions, c'est parce qu'on dépend sur une libc externe. Par exemple, libcurl, ben, on dépend de curl. Et donc en fait, on appelle euh, curl. En fait, l'extension, le, ça sert de binding. Euh, les méthodes, en PHP, fin, par exemple, d'une classe interne de PHP, sont définies de la même manière. Mais euh, une classe en PHP te permet de faire beaucoup de choses que tu ne peux pas faire en userland. Peut-être au prix de vous choquer. Euh, vous pouvez faire de l'opérateur overloading avec un objet interne. Par exemple, la classe GMP permet de faire de l'addition, de la multiplication, de la division entre deux objets GMP, alors que si vous définissez une classe en userland et que vous essayez de faire des divisions, vous avez juste une grosse type error. Euh donc, il y a certaines fonctionnalités dans, qui sont exposées dans le moteur, qui ne sont pas exposées en Userland, et ça, ça peut être l'une des raisons de pourquoi euh, tu veux faire une fonction euh, en C. L'autre, c'est performance. Il y a des raisons, c'est de faire ça en, en PHP, ça peut être lent, euh, alors que de le faire ça en C, ça peut être beaucoup plus rapide. Ça, c'est l'autre question. Euh, l'autre, euh, bon. euh, pour ce qu'on fait de, dans la fondation, en fait, ça dépend. La fondation, principalement, on est payé à faire de la maintenance. Et euh, à veiller à ce que les bugs soient enfin fixes. Vraiment, parce que faire de la maintenance, faire des bugs fixes, ce n'est pas le truc le plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés, euh, de par eux-mêmes, moi aussi, hein, quand j'ai commencé à contribuer, c'est oh, je veux cette feature, je veux ce truc, je me motive à apprendre et, et à m'investir dans le corps. Mais fixe plein de bugs qui sont aussi vraiment tordus, ce n'est pas le truc le plus passionnant à faire, forcément. Euh, faire du refactoring, ce n'est pas le truc le plus passionnant à faire, forcément. Euh, surtout que là, ça fait 2-3 semaines que je suis en train de faire du refactoring sur xxtamens. Bon, est-ce que c'est intéressant euh, Je ne sais pas. Il y en a qui disent ça leur plaît de faire du refacto, mais euh, c'est euh, un peu ça pour qu'on ait payé. C'est faire, faire, faire du refacto, faire de la maintenance, faire des bugs fixes, faire du triage. Je crois que je passe vraiment euh, un bon tiers, voire la moitié de mon temps qui est payé par la fondation pour faire de la code review. C'est ce que je fais. Et du bug triage. Donc voilà. Euh, une autre question J'espère que j'ai répondu à... Ah, ok, cool. Yes. Euh, salut, merci, j'adore tes conférences qui nous font toujours des nœuds au cerveau, c'est excellent. Euh, J'avais une question, c'est combien, combien de temps de recherche personnelle et ou de coaching avec des membres de l'accord team penses-tu qu'il est nécessaire pour devenir à peu près à l'aise sur la code base de PHP que ce soit lorsqu'on est intéressé par une extension ou sur le corps Alors, je pense que les extensions, c'est déjà beaucoup plus simple à attaquer. Les extensions, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est une. Généralement, c'est un peu la porte d'entrée, donc comment on rentre dans le corps. Parce que tu es exposé aux API que le moteur fournit t es, t es, tu t'exposes aux data structures de, de, du moteur et comment c'est utilisé, euh, dans un cadre simple dans le sens que bah, tu, tu travailles sur un bloc de, de code à la fois. Euh, pour ce qui est genre, des fois de Zen dans lui-même, il y a certaines parties qui sont simples. Par exemple, tu as, as, as le fichier Zen underscore Operators. Bah, C'est juste une flopée de différents opérateurs qui truc et qui, qui te font des... C'est un peu comme des helpers euh, qui te permettent de faire des trucs sympas. C'est un peu plus simple. Mais même moi, des fois aussi, enfin, avec la VM c'est vraiment genre juste de la débrou débrouillardise des fois. Tu regardes, tu te dis, c'est en mode ok, bah pourquoi pas. Genre, euh, tu, tu regardes, tu t'investis et tu poses beaucoup de questions. Mais euh, il y a certaines parties de PHP, et perso, moi j'y touche pas. Hopcache, euh, bah, perso, je ne comprends pas. Hein. C'est euh, magie noire, là, c'est en mode il euh, y a un bug dans Hopcache, euh, je suis en mode Dimitri, Arnaud, s'il te plaît, regardez. Euh, parce que, enfin, c'est ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et euh, ça touche vraiment euh, au, au bas niveau, ouais, vraiment à la machine sur euh, comment euh, tu, tu alloues des, enfin, ou des algorithmes pour optimiser du code, ou les opcodes et tout ça. Donc opcache, c'est aussi vraiment autre chose. Euh, y a, je pense qu'il y a trois niveaux. Tu as les extensions, as genre le, le compilateur, la VM et tout ça de PHP, et puis tu as opcache. Ouais, tu as, as peut-être aussi le JIT encore plus loin, euh, où tu dois savoir lire de l'assembleur. Mais Hopcache, euh, c'est déjà euh, vachement au-dessus. De training, enfin... Après, c'est surprenant parce que des fois, il y a des gens, ils arrivent, qui ont fait, genre, du... qui ont fait des études en, en informatique, et qui arrivent très rapidement à rentrer dans la code base. Euh, qui arrivent, tu, leur, tu leur fais une code review, tu leur dis, « Tu sais qu'il y a cette fonction qui existe et tout ça ?» C'est un mode ah, « ok. » Parce qu'en fait, ils étaient partis pour réimplémenter le truc en entier. Quoi. Euh, ça dépend vraiment du niveau de chacun. C'est un peu ça. C'est Tana, c'est eux qui t'apprennent des choses, euh, littéralement. Euh, Tana, c'est euh, tu dois leur guider un peu, leur montrer quelques trucs où ça va, mais ça va rapidement. Euh, D'autres, c'est tu passes beaucoup de temps et Tana, il décide, c'est en mode, c'est je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Et je pense que l'objectif en fait, de ce talk, c'est un peu de vous montrer, c'est... C'est pas forcément difficile de s'y mettre. D'essayer de, de jouer un peu avec et de peut-être vous donner une chance de, bah de, de tester, de voir si ça vous plaît ou si vous y arrivez et si vous avez envie de faire quelque chose avec. Voilà. Bon, je crois qu'on n'a plus trop de questions. On n'a plus de temps apparemment. Donc... <laughs> voilà. On plus de temps. Merci.